à l'époque. Allez-y, Maxime, remets ton téléphone. Vous allez régler ça. Maxime, tu me connaissais pas parce que j'ai ton sac. Allez, nous sommes en téléphone. Je suis bien ça. Je peux appeler ma femme, non, le frère. Mais en retour, vous me donnez quoi? Vous. Parce qu'après nous, on va se battre, vous allez partir, non? Non. Mais il a dit que vous êtes en couple, non? C'est mon ami? Non. Merci pour le message. Pourquoi? Posez d'abord la question, c'est ça? Ah, salut, la famille. Nous sommes du côté d'Abel de Roi pour la déteste infinité. C'est accompagné par mon frère. Mon frère, soldat. En somme, à l'Abel de Roi, c'est une très jolie. Ça fait peut-être un mois, deux mois. Je peux mis pied ici. Mais c'est bon. Hein? Là, ils sont en train de faire un pont. Incroyable. C'est incroyable. Faut voir. Le Gabon est en train de changer. Le Gabon est en train de changer. Et aussi, je serai au YEM le 15. Je suis à OIM pour un spectacle de malade, le 15. À OIM. Le spectacle se déroule le 16. Le 15, je suis à OIM. Donc, les gens qui sont sur OIM, là-bas, vous êtes infidèles, là, surtout les filles. Hein. Arrêtez de tromper. Parce que là, ça va péter. Surtout les filles en 2000, là. Elles aiment tromper, grave. Est-ce que c'est possible? Non, c'est bon. Ah, non, c'est ce truc des marches. Passez-vous comme ça. Excusez-moi. Moi, c'est Steve, frère. En fait, ça, c'est une émission que nous sommes en train de faire, genre à la Belle du Roi, pour des personnes qui sont en couple. Aïe. Ah, vous n'êtes pas en couple? Si. Ah, voilà. Je sais pas, on peut faire un test. D'accord, ma souris déjà très bien. Hein, c'est pas bon. Non, il y a quand même un couple là-bas. Elle a tout de filles. Elle fuit. Bonsoir. Ça va? Regardez comme s'il y a des couples là-bas. On est sans les parents. On est comme s'il y a des couples là-bas. Papa, même si tu vois un couple, même si ils sont assis quelque part, il n'y a pas de problème. On ne fait que voir qu'il y a que des filles, il y a des garçons. Est-ce qu'il y a des garçons? Non, c'est chez Chara TV, il n'y a pas encore de d'abonnés. Je vais prendre ça, hein? Partagez, là, et partagez, partagez, c'est important, partagez. Vous ne voyez pas un fouquet là-bas? Vous avez pas le fouquet là-bas? Ça, les jeunes. C'est les jeunes, comment? Même si. Ah, on va tenter. Garde, viens. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va? Bonsoir, maman. Je vais essayer de discuter avec ce. Je vais savoir d'abord. Je vais parler avec eux, en fait. C'est possible? Non, on est pas ensemble. D'accord. Non, moi, je vais juste parler avec eux. Non, ça ne me dérange pas. Excusez-moi, c'est là vous dérange pas, c'est. J'aime déjà mettre des avec vous si possible. C'est que c'est. Non, si vous êtes. Bon, vous êtes en couple. Pour moi. Ah. Non, en fait, c'est pour fouiller les téléphones. Si vous êtes en couple, c'est pour. Fouiller les téléphones, c'est. Attends, c'est quoi la caméra? Non. C'est... Nous sommes en live. Tu peux pas être en live à YouTube, même pas l'autorisation d'être en live, c'est ma personnalité. Bon, les gars, excusez-nous. Est-ce que c'est possible de faire un test? Oui, c'est possible. C'est possible. Ah, d'accord. Hein? Bon, il faut aussi quand même l'accord de monsieur. Donne-moi mon téléphone. C'est possible de faire un test définitif. Mon frère, fais ton test, apprends pas chez nous. D'accord. En fait, c'est pas, vous pouvez vous mettre debout, pardon, excusez-moi. D'accord. Voilà, vu que ça les autres côtés, on va se placer comme ça. Non, maman, placez-vous là. Non, ici, là, placez-vous là. Ah, mon frère, il tremble là comme ça, on entend les vidéos. C'est quoi, il rentre à la maison? Excusez-moi. Bon, est-ce que c'est possible? Non, place ça là. Place ça là. Est-ce que c'est possible de changer d'abord le téléphone? Changer le téléphone sur quel? C'est un test de fidélité. Tu penses, vous faites changer le téléphone. Pourquoi? Ah, vous voulez aussi. J'arrive, ne vous inquiétez pas.
C'est possible? Non. C'est... Non, comment, papa? Non, je peux te rendre mon téléphone. Prends mon téléphone, donne-moi ton téléphone. Arrête les choses, non, les gens nous regardent. Donne. Attends d'abord, maman. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Attends d'abord. Attends, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ah, seulement 6 mois. Donc, depuis 6 mois là. On était là où les amis? Elle est en relation, la relation s'est cassée. Tu vas aller. Non, placez-vous de ce côté. Non, placez-vous de ce côté. Tu as un peu de quoi? Ok. Vous êtes d'abord les meilleurs amis. Ouais. Donc, ça fait 6 mois que tu as décidé de draguer. Et elle a accepté. Est-ce que toi tu penses qu'il est fidèle? Parce que là en ce moment il ne sait pas pourquoi tu forces. Est-ce que tu penses qu'il est fidèle? Il est fidèle. Elle est fidèle. Elle est fidèle? On a la relation. C'est qu'elle est fidèle. Donc est-ce que tu as. Elle a dit elle donne au téléphone. Pourquoi toi tu refuses de donner ton téléphone? C'est quoi le but? Quoi, je veux te remettre mon téléphone en tant qu'équipe. Pourquoi je te remets ton téléphone? Fouille au téléphone pour voir s'il y a des messages. Tu ne peux pas me demander mon téléphone et pour que toi tu fouilles pour voir mes messages. Si j'ai les nuits de l'intérieur. Mais c'est ce qu'elle veut savoir. Peut-être pour une autre personne. Bon, moi je ne vais pas regarder. On est déjà que je suis fidèle. Bon, enfin, tu remets le téléphone. Elle me met d'après ce qu'elle veut. Là. Et on va aussi rentrer là pour faire sortir des messages. Elle a déjà vu les messages. Écoute, les messages, ok. Tu te dis, ce sont des anciens messages, oui. Anciens, pas nouveaux messages, c'est un message. C'est juste un test. Remets ton téléphone. C'est pas comme s'il y avait un problème non, dans non, ça. Non, ne criez pas, il y a les gens. Qui c'est? On n'est pas là pour faire, genre. Nous sommes en live, s'il te plaît, ne criez pas. Est-ce que tu acceptes de faire le test définitif? Je peux pas faire un test définitif. Moi, j'accepte. Remets ton téléphone. Tu veux remettre mon téléphone pour quelle raison? Remets ton téléphone. Regarde, on t'est pas dit, on est à la maison. Tu peux même dire allons à la maison. Nous venons à peine d'arriver. C'est bon. On vient à peine d'arriver. Là, tu me dis allons à la maison. Comment nous sommes venus divertir? Remets ton téléphone. Et Joe, c'est mieux, on arrête d'abord. On arrête d'arriver. Tu oublies là. Arrête le live là. Parce que là, on se sert à la maison. Remets ton téléphone. Ne fais pas comme ça que je m'énerve là avec toi. Mani, sortez de la maison. Arrête. Il a dit il est fidèle. Allez-y. Maxime, remets ton téléphone. Vous allez régler ça. Maxime, tu reconnais pas que j'ai commencé à faire. Allez, nous sommes allés. Remets ton téléphone. Mani, excuse-moi. Ah, c'est bon. Arrête. Arrête. C'est bon. Vous allez régler ça à la maison. C'est pas rico, Mani. Mani, c'est bon. Arrête. Mets le téléphone en bas. Arrête. Arrête de faire ça. Oh, arrête de faire ça, c'est fou, mon. Toi, humilié, t'es gagné devant les gens. Arrête de faire ça. Oh, écoute, vous êtes comme le micro. Arrête de faire ça. Vous êtes en direct. Bon. Vous êtes en direct. Arrête de faire ça. Oh, le boy a levé le corps. Mais regarde, je suis sûr qu'on ne fait pas ça. Mais tu déjà du quoi, comment je vais pas dire pourquoi. Arrête. C'est bon. Ah, oh merde, c'est bon, arrête de faire ça, c'est bon, oh, pourquoi tu fais ça? Juste un test, il refuse de donner son téléphone, pourquoi? Comme tout le monde. Pourquoi tu fais ça? C'est bon, non? Papa! Je vais d'abord parler, tu prends le micro. Monsieur Maxime, pourquoi vous avez disparu? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'appelle pour quelle raison? Tu m'appelles pour quelle raison? Tu dis quoi? Vous êtes bloqué là-bas, vous êtes ici, je ne peux pas te caler là-bas, vous êtes ici. Vous êtes bloqué là-bas, vous êtes ici. Tu sais pourquoi tu as tenu mon frère, il est parti. Enfin, il fait seulement que mon taf. Que mon taf. Tu fais ton taf, c'est bon, arrête. Je suis payé pour ça, Joe. Je peux pas partir ici sans ça, je suis payé pour ça. Je suis capable de porter poli. Donc arrête de me filmer. Mais retourne seulement, tu remets le téléphone, Mani, c'est tout. Tu as dit que non, tu es fidèle, non. Retourne seulement de le téléphone, Mani. Tu montes seulement le téléphone, où est le problème?
frère, c'est pas gentil. On va continuer. Partagez. On essaie un peu de continuer. Comment, Pajan? Comment? C'est top. Comment? Ah, un monsieur qui est là. C'est pas de madame. C'est madame qui est là. On va voir ça? Viens là-bas. Non. Mais il a dit que vous êtes en couple, non? C'est mon ami. Non. Ouais, tu m'as dit que c'est toi. Parce que c'est ce que tu veux faire. Regarde, regarde, c'est pas ce que tu veux faire. Moi, pas aussi faire. Non. 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 Alors papa, on avance. Voilà papa qui est là. On va essayer de demander aussi peut-être. Bonsoir. Désolé papa, bonsoir. Moi je me prénomme Stifler. Je fais plutôt dans les émissions plurielles. Je ne sais pas si vous êtes en couple. Allez, vas-y, vous pouvez me faire des choses, c'est pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Oh, laissez un peu fidèle, tu vois un peu, non. Là, un projet là, il y a. Bonsoir, boss. Comment allez-vous? Hein? T'as quel coup ton coup? Je cherche un coup. Il y a quelqu'un qui parle là, ils sont pas très loin en fait. Mais si je suis trois, tu me dis, tu me fais ça. On va continuer. Là, on va faire un tour. Parce qu'on sent que le papa là, il est nerveux, il ne peut pas faire le test. Il est bien nerveux. Bonsoir, Pajan. Comment allez-vous? Bonsoir. Non, moi, je me présente si tu veux, tu vois. Ah, ils sont coupés. Eh, tu as vu? Non. Voilà, en fait, moi, je fais. Il y a fini là-bas ici, il y a fini le frangin. Moi, il fait un peu de tester ce fini. Ah, je m'en rends compte. C'est ta grande soeur, c'est bien ta grande soeur. Ah, je m'en rends compte. En tout cas, il a dit c'est sa grande soeur. Bonsoir, boss. Comment allez-vous? Hein? Ah, d'accord. Hein? Boss, comment? Mais ça veut aussi commencer. Mais si elle est fidèle, forcément ça veut dire. Elle n'est pas fidèle. Maman, vous n'êtes pas fidèle. Hein, boss? Comment? Je sais qu'elle est fidèle, c'est bon. Je sais qu'elle est fidèle. Voilà, quand il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème, maman, comment là, ailleurs? Bonsoir. Bonsoir. Désolé, hein. C'est pour une émission. Moi, je me prénomme Stifler, j'ai fait dans les tests de fidélité. Non, moi, ça me dit, sauf que j'ai une question à vous poser, parce que moi, les tests de fidélité, je le suis. En Côte d'Ivoire, au Cameroun. Oui, oui. Qu'est-ce que vous nous proposez quand vous faites? Qu'est-ce que je vous propose? Ça, c'est fou. Parce qu'à Abidjan, on propose, il y a des cachets de 50 000. Moi, je suis cachets de 50 000, comment? Non, je suis ça. Si c'est bon, il donne le couple, et si c'est bon, il donne les 50 000. Bon, est-ce que c'est aussi normal que quand tu es en couple avec une dame, une demoiselle, oui, tu te trompes la demoiselle et toi, ça te fait du bien? Mais non, c'est pas possible. Mais voilà. Mais là, voilà pourquoi je dis. Moi, je t'ai dit que je te comprends. Je suis bien ton émission. Hein. Oui. Je suis bien ça. Je peux appeler ma femme, non, le frère. Mais en retour, vous me donnez quoi? Vous. Parce qu'après, nous, on va se battre, vous allez partir, non?
Merci. Et on continue. D'accord, y a pas de problème. La prochaine fois, le boss. D'accord. Non, la prochaine fois. Là, on ne sommes pas prêts ensemble parce que les gens demandent le live, en fait. Les gars, on continue. Voilà. Le boss a dit qu'il ne veut pas pour le moment. Ah. On cherche d'autres coupes. Il n'y a pas de souci. Et désolé encore pour le coup qui s'est battu, hein, excusez-moi. Pas de ma faute. De l'autre côté. Je sais au Gabon, en fait, les gens sont un peu. Et le problème, c'est que tu vois, il y en a qui ne regardent pas. Qui ne suivent pas ça. Ou même pensent que bon, c'est un truc travail. Que ou bien c'est un truc travaillé, machin, tout ça. Voilà. Alors que c'est le comportement du Gabonais. Voilà. Moi, j'ai vu. On a vu un truc là à. Comment on appelle ça? Kanté. Quand vous Kanté là. Il y a l'un des gars qui a fait ça avec le gars qui a mis les dents sur sa mère. C'était chaud. Il a jusqu'à aller enlever le. Il a même la il voulait jamais m'agresser, même le gars, le journaliste. Donc, tu vois que. Même moi, même quand j'ai fait, quand il y a la bagarre, on dit non, pourquoi je suis pas toujours la bagarre. Mais c'est la réalité. Toi, tu découvres que tu es avec une copine, après la cago de ton mais ton frère de tout. Surtout la petite. Ou bien la petite qui a dit son gars, c'est comment son nom. Ah, il va péter le câble. Ils les ont battus. La ville est sur internet. Bon, merci quand même, hein, vraiment, ça fait plaisir. Bonne journée. On va quand même chercher d'autres couples. Bon, là, il y a deux garçons, il y a deux dames, non? Bonsoir. Moi, je me prénomme Stifler. En fait, moi, je fais dans l'émission réelle pour les tests sécurité. Mais avec monsieur, non, tu sais, c'est bien. C'est bon. Ouais. D'accord. Ah, papa, quand on avait le sac, il n'y a pas de soucis. D'accord. Oh, comment? D'accord. Amad, tu n'as pas vu qu'il y a le soleil. Non, place à la maman. Voilà. Ok. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 6 mois. Oui. 6 mois. C'est quoi le prénom? NASA. Horrible. Vous vous êtes rencontré comment? Si on rencontre au bord de mer, elle passe avec son beau bikini, nian, top et tout. Donc je l'ai intercepté et tout, j'ai pris son contact et tout, et puis on a. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu l'avais dit? Parce que sa technique d'approche était bien. Sa technique d'approche, c'est qu'il t'a vu avec bikini et tout. Et non, tout. Mais après, il est venu vers moi avec un jus, il m'a offert un jus. Accepté. Ah, donc, aujourd'hui, sur toi, tu viens avec le jus. Papa, la voix va te dire oui. Non. C'est ça qu'elle a dit, non. Sa technique d'approche était, il est venu avec un jus, il m'a proposé, j'ai dit oui. C'est ça, non. Donc, aujourd'hui, si on drague une go dehors, viens avec le jus. Non. Bon, vous êtes ensemble depuis 6 mois. Oui. Est-ce qu'il est fidèle? Oui, très fidèle. Très fidèle. Il y a déjà eu des malentendus entre vous. Il y a déjà eu un problème entre vous. Non, sauf si c'est la nourriture. La nourriture? Ok, on va aller plus vite parce que nous sommes en fait en direct pour 30 minutes. Est-ce qu'on peut finir le téléphone, vous deux? Tu donnes ton téléphone et tu donnes son téléphone. Non, c'est bon, c'est entre vous. Tu donnes le téléphone. Et quand sortir le téléphone, elle vient sortir le téléphone. Bon, d'abord, je me dis à son téléphone. Ça, c'est ton téléphone. Ok, ça, c'est le téléphone de. C'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Mm-hmm. Donne ton téléphone là-bas. On commence par qui? Bon, par tes adhérents. On choisit qui? Entre les deux. Elle. Oh, donc, vous voyez pas son téléphone. D'accord. Allume son téléphone. Tu connais le code? Non, elle n'est même pas au code. Elle n'est pas venue. Oh, là, oui, elle est sur mon fil. Ok, rentre sur WhatsApp. On parle sur WhatsApp. Rentre sur WhatsApp. Tu as les messages supprimés, dis déjà, parce que sinon moi je vais taper. Si on trouve des messages, c'est mieux, comme tu dis qu'il y a des messages supprimés qui sont bizarres. Vous n'êtes pas de chercher. Moi, il peut te retrouver les messages que tu as supprimés. Si tu disais que tu supprimes les messages, dis-moi que tu as supprimé les messages. On coupe.
tu as des messages compromettants, tu me supprimes, non? Elle a dit, elle a des messages compromettants, supprimés. Donc, on fouille pas. Donc, tu dois nous dire, qu'est-ce qu'il dit? Pour nous dire. Vas-y, moi j'ai tapé, que lui voit autre chose. Les messages, ils mettent en gros. Attends, est-ce que tu as déjà accepté un des messages pour qui n'a quoi? Est-ce que là on va fouiller ou pas? Tu as déjà accepté? Tu as déjà vu un dragueur derrière son nom? Tu avais vu un dragueur? On va taper. On va taper les messages compromettants supprimés parce qu'elle a avoué. Tu connais ses amis? Non, pas tous. C'est quoi son nom, celui d'entendre? Michel? C'est ton gars. J'ai vu. C'est Michel, enregistré dans le téléphone. On va taper. Je t'aime. Attends. Et on a remarqué qu'il n'y a même pas eu Michel là, quelque part. Ah, donc tu sais comment c'est ce message? Tu ne joues plus comment? Tu ne joues plus comment? Non, bon, je ne joue plus. Tu ne joues plus comment? Donc tu supprimes nos messages, tu me caches quoi? Attends, parce que tu gardes pour Joujou, tu gardes pour Chris Ambassi, Damas. Damas c'est qui? Chris Ambassi. Ah, le groupe de Chris. Donc je vois là-bas, il y a Joujou, je t'aime dedans. C'est l'église. Hey, non. Joseph, c'est bon. J'ai un doute quand même. Mais supprimer les messages, pourquoi? Pose d'abord la question, c'est ça? Mais pourquoi tu supprimes vos messages? Vu que c'est ton gars, tu es fidèle à lui. Pourquoi tu supprimes? On peut comprendre les autres. Mais pourquoi toi tu supprimes ces messages? Mais ces messages hier. C'est même pas question, non, c'est éphémère. Hein. C'est, oui, c'est pas éphémère. Elle-même, elle supprime. Hier, on a eu une discussion, donc voici. Ça, c'est personnel. Ah, d'accord. Ouais, donc, c'est de quoi je parle. Donc, comme c'est ce qu'on donne, quand vous avez un problème, toi tu supprimes. Oui, je l'ai même bloqué, après j'ai débloqué. Je lui ai débloqué hier. Pourquoi tu as débloqué? En faisant ton téléphone déjà, ton personne déjà. C'est bon, comment on fait ton téléphone? Gars, on fait maintenant le téléphone de monsieur. Il a compris, il a dit que c'est bon. Tape le code, mets le code. Parce que ici là, c'est oh, il a un deuxième téléphone. Annie, il a un deuxième téléphone. Viens. On a fini de fouiller le téléphone de madame. Viens. Oh, il nous a donné le deuxième téléphone. Il va revenir. Mais viens, va fouiller. On a fini de fouiller le téléphone de madame. Oh, tu as deux téléphones. Viens avec le deuxième téléphone, on a fouillé aussi. Le deuxième téléphone, c'est dans la poche. Elle a dit, c'est dans ta poche. Viens, va fouiller. Oui, mais c'est vrai que tu as récupéré ça. Mais parce que, oh, regarde. Alors. C'est même faible. Oh. Alors. Ok, d'accord, on se voit. Donne le téléphone là-bas. Hein? Attends, donne le téléphone là-bas. Non. Oh, donne le téléphone là. Bon, tiens. Non, pas là-bas. Non, mais attendez là-bas. Non, donc, on a fait le téléphone de madame. Maintenant, on va faire ton deuxième téléphone. Donne. Des choses. Eh, si. Bah, oui, non, non, laisse. Quand on a fait ton téléphone, elle n'était pas là. Prends le téléphone. Tape ce que tu veux. Attends, tu veux qu'on fouille les messages sur le.
Non, tu veux qu'on fouille les messages sur non, non, non. Tu vas qu'on fouille. Tu as supprimé les messages, c'est bon, c'est bon. Non, ce sont les quoi? Ah, mais oh, les oh, mais drague! Oh, ok, tu drague! Mais lorsque elle a supprimé les messages, tu as voulu vers Jean! Ah oui, bah je l'ai supprimé, on s'entend, je suis. Ouais, ça, là, nous sommes tous trois. Ok. Oh, comme toi là. Non, mon! Il y a beaucoup de jolies. Ah, arrête ça, gueule! Attention, son nom enregistré quoi dans ton téléphone? Hmm? Oui, on s'est supprimé, non? Elle a supprimé, j'ai supprimé. Bon, son nom, c'est enregistré quoi dans ton téléphone? Non, je n'ai pas enregistré son nom. Je ne voulais pas enregistrer. Je crois qu'hier, il a supprimé. On a mais même si tu as supprimé, tu as remis le nom, non? J'ai supprimé son contact, tout. Elle m'a supprimé. Bon, maintenant, bon, comment vous avez vous voir là? Qui a donné le rendez-vous à l'autre? C'est moi qui l'ai appelé pour essayer de renouer les liens, en fait. Mais quand tu fais ça, tu dois forcément enregistrer le numéro de madame. Non, c'est à l'intérieur de ma soeur que j'ai arrêté. C'était ma soeur. Non, mais vrai. Ouais. En tout cas, c'est pas un test épileptique, au fils qu'on fout le deuxième téléphone. Ah, le truc là. Je continue avec ça là. Madame est où ça? Bonsoir. Ah, maman, viens là-bas, pardon. Ça, c'est pas ça. Madame, bonsoir. Ouais. Ça, c'est pas le test. Ah non, non, non. Maman, papa tape là-bas. C'est où ça? Pourquoi tu refuses qu'on fouille ton téléphone? Voilà, non, là-bas, il n'y a rien. Attends, non, mets le téléphone là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends quoi? Attends quoi? Laisse-moi regarder. Nous sommes en live. Vraiment. Heureusement que c'est même pas le compte où j'ai beaucoup d'abonnés. Parce que j'ai publié ça après dans le compte où j'ai beaucoup d'abonnés. J'ai collé là. Ah, c'est même éteint. Oh, ça c'est éteint, ça c'est pas éteint. Mon nom. C'est là, hein. Il est super. Il y a Nour. Nour, c'est qui? Nour, c'est qui? Joli. My God. Battement du cœur. Ah! Non, attends d'abord. Battement du cœur, c'est qui? My God. Ouais, le battement de cœur, c'est qui? Battement du cœur, c'est qui? C'est un groupe d'abord. Oui. C'est un groupe, le monde. Après les derniers, ils ont été dit joli. Mais comment ils vont expliquer? C'est bon, en tout cas, non, c'est un ami qui m'a mis dans le groupe. Là, tu vois, il est là. Ah, attends, d'abord. Je pensais qu'il fallait qu'on joue à ce jeu là pour savoir. Regarde, c'est un groupe qui m'a mis à mon insu. Tu vois, le nouveau groupe maintenant qui. On s'est mis. Regarde, il est dans une barre. Mais monte, mais tu as dit battement, tu as envoyé joli, joli. C'est pas quand tu envoies joli. Ils s'envoient les jolis dedans. On s'envoie les. Mais là, c'est regarde, vous. Regarde. C'est vous. Vous et où? Vous et où? Ah, vous, regarde. Vous qui. Nous, dit... nous, c'est ma soeur. Non, ma soeur, les gars, c'est pas. Elle va me rendre malade. Elle va me rendre malade. Bon, appelons-nous. On a fouillé son téléphone. Il n'y a rien dedans. Mon fou, ton téléphone. Pourquoi tu refuses qu'on attrape ton téléphone? Et il y a battement du cœur. Battement du cœur. Attends, bon, il y a battement du cœur sur le groupe. Viens t'expliquer, nous. Pourquoi tu fais ça? Hein, parce que tu vois la caméra. Attends, attends. Oui, attends. Oui, battement. D'abord. Tu veux qu'on les casse, on arrange le truc, nous. On arrange quoi, c'est vous? Battement du cœur, battement du cœur. Tu vois, parce que battement du cœur, qui battement du cœur dedans. Bon, bref, on va taper d'autres mots, Seigneur. Attends, on va continuer, on va taper d'autres mots. Non, laisse-le attraper. Attends, fais ça. Mais ça déconne, laisse-le me mettre. Vraiment, oh. Il n'y a pas même le jeté. Non, ça vient, ça charge. Attends. Ça charge, attends. Okay. Hey! Mengue. Attends. Mon téléphone. Non, mon téléphone. Mais tu as envoyé Mengue, je t'aime, non. Laisse-moi, on essaie de lire. On essaie de lire vos conversations. Attends, calme-moi, non. Vous êtes trop chaud. Tu as envoyé je t'aime à Mengue. Attends. Attends, là, pourquoi tu m'as passé le message? Mais passe. Attends, pas. Mais tu as déjà vu, non? Pourquoi tu as le téléphone en main? Mais je mets la luminosité qui est pour. Viens le téléphone en main. Laisse ça voir. Attends, tu vas voir. Oh, barré. Il y a tout ça. Il regarde tout ça, il regarde le sorcier. Il regarde tout ça là. Attends. Non, ne passe pas. Tu as envoyé Mengue, je t'aime pourquoi? Oh, Mengue, elle est où ça? Je t'aime. Mengue, elle est où ça? Il n'y a plus Mengue. Il n'y a plus Mengue. Attends, on met les autres. Moi, c'est Mengue d'abord, je vais voir. Il n'y a plus Mengue. Attends, Mengue là. Mais attendez. Il n'y a plus Mengue. Il est passé pour Mengue. Non, je ne l'ai pas passé. Je ne l'ai pas passé. Attends, là-bas. Il est passé le message de Mengue. Il a pris le téléphone, il est passé le message de Mengue. Mengue là. Oui.
Il est passé Mengue. Attends, mais arrivez même pas la voix de Mengue d'abord. Mais on veut savoir Mengue, tu as pris le téléphone. Non? Attends, c'est là. C'est bien, on va laisser ça comme ça. Tu as vu Mengue, non? Non, tu as pas vu Mengue. Maintenant, elle a plus Mengue, pourquoi? Il avait pas la bonne Mengue. Tu as vu Mengue, non? Tu as vu Mengue, non? Non, c'est ne... tu as vu Mengue, non? J'ai vu Mengue. Voilà. Maintenant, le numéro là, il me dit. Donc, c'est mieux, on arrête là. Parce que non, c'est mal, il y a le téléphone en main. Il nous a arraché le téléphone parce qu'on a vu le message de Mengue. C'est bon, non? On arrête là. Donc, quand même, je vous soutiens. On est ensemble. Mais la bonne. Oui, c'est bon. C'est bon. Allez, on va te faire des infidélités. Papa? C'est comme aux États-Unis, regardez comme ils sont tous chantés. Souris un peu, maman. Et vous regardez Taïk. Voilà. On regarde tout à l'heure. Ouais, ouais. Abbas, tu suis une autre fois. Ah, voilà un papa qui est là-bas. Bonsoir, Abbas. Bonsoir. Désolé. Bonsoir. Moi, le prénom, je vais faire dans les émissions un peu réelles. Je vais faire en fait dans les tests de fidélité. Les tests de fidélité. Oui. Je ne sais pas si vous êtes en couple, on peut faire un test de fidélité. Oui. Ah. Voilà notre papa qui est là. Joe, viens. Bonsoir, boss. Bonsoir. Désolé. Bonsoir, moi je me prénomme Stifler. En fait, c'est un jeune. Bon, je suis bien, enfin. Oui, oui. En fait, j'ai fait dans les tests. Test. Et en même temps, j'ai parce que les gens m'ont demandé. Non, laisse tomber, regarde, on est mariés. Ah, putain, y'a pas de soucis. Vas-y, avance, boss. Bah. Parce que voilà, c'est fort. Ok. On va couper le live, les gars. Rendez-vous le 15. Le 15, c'est sur OIM. Point spectacle, le 16. On remercie monsieur Essono, mesdames Wilfred, Axel, alias Febana, hein, au compte de Mon Destin en Main, qui organise un show le 16. Le 16, les gars. On va faire le barat. 4-6 jours. Aladé, Boucho, Christopher, Emron. C'est un truc de malade. On annonce maintenant, regardez. Bonsoir, Frangin. Bon, excusez-moi. Possible de vous donner deux minutes, pardon. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.